Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, Éternel des armées. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, ô mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Père, pour le souffle de vie, d'être parmi les vivants. Oh, blessed be your holy name, O God. Thank you, God. Thank you, Yahweh. We lift your name on high, O God. Oh, mon Dieu, mon roi. Nous élevons ton nom très haut. Nous élevons ton nom, Yahweh. Oh, parce que tu nous as compté parmi les vivants, Seigneur. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais juste attendre une, deux minutes pour que d'autres frères et sœurs puissent nous joindre et nous allons commencer. Alléluia, ça fait plaisir de vous revoir. Alléluia. Father, thank you. Oh Lord, we bless your holy name. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, prends juste une minute avec moi pour dire merci à ton Dieu, pour dire merci au Saint des Saints, pour dire merci au Roi des Rois, pour dire merci au Créateur des cieux et de la terre, oh, qui t'a encore accordé le souffle de vie. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup n'ont pas traversé la fin du mois de juin. Beaucoup sont allés au lit hier soir et ne se sont pas réveillés ce matin. Mais toi et moi sommes encore parmi les vivants. Oh, nous avons la santé avec nous. Nous avons nos membres de famille avec nous. Oh, pourquoi ne pas élever la voix cet après-midi, ce soir ou ce matin d'où tu me suis, pour lui dire merci. Oh, pour lui dire merci. Élève ta voix avec moi pour dire merci au Seigneur. Élève ta voix avec moi pour dire merci à Jésus. Élève ta voix avec moi pour dire merci au Créateur des cieux et de la terre, pour le souffle de vie, pour la santé pour toi, pour la santé pour ta famille. Oh, de t'avoir préservé jusqu'à aujourd'hui. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Yahweh. Alléluia. 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 Bien-aimés, bienvenue encore sur le temps prophétique et de prière avec prophétesse Mercy Genevieve Boiré. Je tiens vraiment à m'excuser pour tout ce temps où je ne suis pas venue sur les réseaux pour des temps de prière ou pour prêcher. Vous savez, bien-aimés, des fois je me dis que notre Dieu a vraiment le sens de l'humeur. Si vous vous rappelez, en mois de décembre, octobre, novembre, j'avais conduit un temps de prière par rapport au grand miracle que Dieu s'apprêtait à relâcher dans la vie de beaucoup d'entre nous. Et j'étais comptée aussi parmi ceux qui attendaient le miracle de Dieu. Et je lui dis merci. Oh, je lui dis merci parce qu'il a exaucé mes prières en décembre où j'ai eu cette grande promotion à mon bureau. Mais vous savez,
Avec Dieu, je me rends compte tous les jours que lorsqu'il t'amène à un niveau différent, à un niveau plus élevé, ça vient avec plus de responsabilités, ça vient avec plus de challenges. Et je vous avoue que depuis décembre, je n'ai pas été en mesure de venir pour les temps prophétiques de prière, ni même pour mes talk shows par rapport à mon ONG, parce qu'avec les nouvelles responsabilités au bureau, je n'ai vraiment pas le temps. En général, ma journée, c'est entre 12, 10 heures à 12 heures de travail. Donc, quand je finis, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Donc, je vous demande vraiment de prier pour moi, que Dieu puisse me donner la grâce de pouvoir ménager tous ces différents chapeaux. Alléluia. Mais qu'à cela n'en tienne, je suis vraiment heureuse de vous retrouver cet après-midi. Ma précieuse femme de valeur, mon précieux homme de valeur, je sais que beaucoup d'entre vous, le lundi soir et jusqu'au matin du mardi, se sont réveillés avec des sentiments d'amertume. Des sentiments d'amertume parce que le monde entier célébrait le Valentine, qui est la fête en fait de l'amour, le lundi passé. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui sont célibataires, ou même qui sont mariés, ont traversé cette journée dans la douleur, ont traversé cette journée dans la déception, ont traversé cette journée en pleurant et en se demandant, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi est-ce que ma vie est différente? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me stabiliser? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me marier? Pourquoi est-ce que ça fait des années que j'investis dans cette relation? Et mon partenaire n'arrive pas à faire le premier pas. Quand je dis mon partenaire, je vais parler en fait des célibataires d'abord. Et au passage, le temps prophétique et de prière aujourd'hui, le sujet, c'est de prier contre les ravageurs de mariage, les ravageurs de temps et les ravageurs de destinée. Je vais vraiment expliquer cela tout à l'heure. Quand je disais tout à l'heure que lundi, toi qui es célibataire, j'ai vu des posts de certaines sœurs, de certaines filles, de mes filles, le mardi, qui ont fait des posts où vraiment tu sentais qu'elles étaient dans l'amertume. Elles avaient mal parce que elles se sont investies dans une relation avec un homme. Et avec toujours l'espoir que la relation, en fait, va aboutir au mariage. Et elles se rendent compte, je me focalise beaucoup vraiment sur les femmes aujourd'hui. Bien vrai qu'il y a des hommes aussi qui sont dans cette catégorie. Des hommes aussi qui s'investissent avec une femme, mais qui se rendent compte que, au fur et à mesure des années, que la partenaire, la dame n'est pas sérieuse et ne veut pas faire du sérieux pour rentrer dans le mariage. Et cela fait mal parce que aucun être humain ne veut se sentir rejeté. Aucun être humain ne veut se sentir indésirable. Aucun être humain bien-aimé ne veut passer des semaines, des mois et des années à investir de son temps, de son sentiment, de son amour dans une relation qui n'aboutit pas. Donc, ce soir, cet après-midi ou ce matin, d'où tu me suis, je t'appelle à te joindre à moi cet après-midi pour prier. Parce qu'en fait, si tu es dans une situation comme ça et que ton partenaire ou ta partenaire agit comme ça, en fait, spirituellement, c'est des ravageurs. Des ravageurs dans le sens où ils te font perdre ton temps. Ils te font perdre des opportunités de mariage. Ils te font perdre, oh, ta destinée. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour que le pouvoir de Dieu maintenant vienne dans ta vie pour enlever ces ravageurs, ces hommes ou ces femmes qui te font perdre ton temps, qui ne parlent pas de mariage, qui couchent avec toi, oh, qui t'utilisent, alléluia, qui te demandent de faire la cuisine. Et là, je vais m'adresser à des sœurs qui vivent en concubinage avec un homme.
Ma soeur, si tu es dans une situation comme ça, et qu'après des années et des années, tu te rends compte que le monsieur n'est pas au sérieux. Aujourd'hui est ton jour, alléluia. Aujourd'hui est ton jour, ma soeur. Si seulement tu peux te joindre à moi cet après-midi pour prier, alléluia. Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut changer ton histoire. Oh, le Seigneur peut changer ton histoire. Jésus peut changer ton histoire, alléluia. Et bien-aimé, la deuxième catégorie dont je vais parler aujourd'hui, si tu te sens concerné, oh, joins-toi à moi. Tu es peut-être en mariage depuis des années et ton partenaire ne change pas. Ton partenaire ne change pas ou ta partenaire ne change pas. Tu as tout fait, tu as tout fait. Tu as peut-être un partenaire ou une partenaire oh, qui est tout le temps dehors, en train de coucher dehors, qui est dans l'adultère, qui est dans la tromperie, oh, qui est dans le mensonge, qui est dans la duplicité. Alléluia. Oh, ma soeur, mon frère, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te délivrer cet après-midi, pour te délivrer, pour te délivrer. Oui, nous savons que Dieu est le créateur, est l'auteur du mariage. Mais bien aimé, il faut qu'on se dise certaines vérités. Surtout pour nous les femmes, il y a des situations où nous nous retrouvons dans certains mariages qui en réalité n'étaient pas la volonté parfaite de Dieu. Je vais m'adresser aujourd'hui à mes célibataires femmes. Des fois, la pression de la famille, la pression sociale, la pression de l'âge fait que nous forçons pour rentrer dans des mariages qui, en réalité, ne sont pas le mariage que Dieu a prévu pour nous. Mais parce que notre Dieu est un Dieu qui nous donne la liberté, il ne peut pas nous forcer à nous enlever dedans. Si nous nous entêtons, cela se passera dans notre vie. Alléluia. Mais nous verrons les conséquences. Nous voyons cela, bien-aimés, avec Sarah et Abraham. Pour ceux qui connaissent le passage de la Bible dont je vais parler ici, où Sarah et Abraham, Dieu avait donné des grandes promesses à Abraham. Il avait promis à Sarah et à Abraham qu'il les bénira avec des nations. Oh, qu'il bénira Abraham et Sarah avec des enfants. Mais le temps passait, les années passaient, et le doute commençait à s'installer en eux. Et bien vrai que Dieu a promis, Sarah, la femme d'Abraham, a mis la pression sur Abraham pour lui donner sa domestique, Agar, qu'il couche avec la domestique pour pouvoir leur faire des enfants. Vous voyez bien, bien aimé, bien vrai que Dieu avait donné sa promesse à ce couple. Mais ce couple était rentré dans l'impatience. Ce couple ne pouvait plus attendre la promesse de Dieu. Ce couple pensait que Dieu était en retard. Et ils ont maintenant cherché à aider Dieu. C'est là où je vais en venir. Si tu es célibataire et que tu es dans l'attente du mariage depuis des années et que tu veux forcer le mariage, ma soeur, mon frère, je suis là pour te dire cet après-midi, prends patience. Prends ton mal en patience. Oh, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, bien-aimé. Lorsqu'il te donne une promesse, que quel que soit le temps que ça va prendre, prends le temps d'attendre. Soit dans la prière, soit dans la sanctification. Et le temps de Dieu, lorsque cela sonne, alléluia. Lorsque le temps de Dieu sonne dans ta vie, bien-aimé, cela va se réaliser. Et ce sera maintenant un mariage parfait. Un mariage du ciel, des cieux. Un mariage de Dieu. Alléluia. Et donc, toi, ma sœur, si tu t'es retrouvée dans un mariage où tu as forcé, un mariage où tu n'as plus eu la patience d'attendre, je vous parle, bien-aimée, en tant que connaissance de cause. Alléluia. Ça me fait 10 ans de mariage maintenant. Alléluia. Ce mois-ci, je rentre dans 10 ans de mariage, bien-aimée. Mais je vous avoue, bien-aimée, que j'ai accompli beaucoup de choses dans les mystères de Dieu. Dans les mystères de Dieu. Et cela me donne, bien-aimée, la sagesse de pouvoir parler à certaines de mes sœurs, d'éviter certaines erreurs. Évite certaines erreurs. Oh, des fois, Dieu permet que certaines personnes traversent certaines situations pour pouvoir te donner des conseils. Alléluia. Et je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur ce soir. Que le Saint-Esprit touche ton cœur ce soir et qu'il puisse te ramener à la raison. Alléluia. Donc, je vais m'adresser aujourd'hui. Alléluia. Je vais d'abord lire la parole de Dieu. Si tu viens de me rejoindre, aujourd'hui, le temps prophétique de prière, le sujet de prière, c'est « Prie contre les ravageurs de mariage ».
les ravageurs de temps, les ravageurs de destinée. Alléluia. Notre verset d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Genèse 25, versets 15 à 16. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Alléluia. Je reprends. Genèse 25, verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Ici, en fait, c'est une illustration que je vais vous donner. Ici, le puits, en fait, je le compare en fait au temps que tu as dû consacrer dans une relation, au mois que tu as consacré dans une relation, aux années que tu as consacré à une relation. Et dans la mesure où tu as consacré tous ces efforts, toutes ces années, toute son énergie dans cette relation, c'est comme si c'est un puits que tu as creusé. Et tu t'attends maintenant à pouvoir jouir, alléluia, de l'eau qui va sortir de ce puits. Parce qu'en fait, nous savons que le puits, en fait, est synonyme d'eau. Lorsqu'on creuse un puits, en fait, c'est parce qu'on s'attend à trouver de l'eau en bas, au sous-sol. De l'eau qui va te nourrir. De l'eau qui va étancher ta soif. De l'eau qui va arroser ta vie et tes projets. Alléluia. Et donc, je compare ta vie, tes efforts, les années que tu as impliquées, les années que tu as investies dans cette relation. C'est ce que je compare au puits. Alléluia. Mais là, nous voyons que, alléluia, dans le livre de Genèse 25, verset 15, les Philistins, au moment où maintenant les enfants d'Israël s'attendaient maintenant à jouir de l'eau de ce puits, les Philistins sont venus et ont comblé le puits de terre. C'est comme ça en fait que tu vois ta vie aujourd'hui, que je compare ta vie. Ces sœurs que j'ai vues sur les réseaux sociaux, bien vrai que les gens pensaient qu'elles rigolaient lorsqu'elles disaient que si vous ne nous mariez pas, arrêtez de nous faire perdre le temps. J'ai senti la douleur de ces sœurs-là. J'ai senti la douleur de ces sœurs-là. Alléluia. Bien-aimée. Ma sœur, je vais m'adresser à toi ce soir. Si tu es dans une situation comme ça, je voudrais te dire que Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer ta situation avec la prière. Et je t'invite à te joindre à moi cet après-midi pour prier. Alléluia. Dieu, on va prier, alléluia, pour que le pouvoir de Dieu puisse maintenant enlever ces ravageurs de ton mariage. Parce qu'en fait aussi, qu'est-ce qui se passe avec ces hommes ou ces femmes avec lesquels vous êtes depuis toutes ces années? Ces soi-disant copines. Il y a certains d'entre eux qui ne comptent pas vous marier, mais qui ne vont pas aussi vous dire la vérité, qui vont vous faire perdre le temps, qui vont vous faire perdre d'autres opportunités de mariage, où d'autres hommes peuvent venir qui sont intéressés à vous marier, qui ont vraiment de l'amour pour vous. Mais parce que vous avez votre cœur sur cet homme ou cette femme, vous allez refuser ces opportunités. Et c'est pour cela que je les appelle les ravageurs. Il y a aussi, c'est la méchanceté. Ils ont d'autres copines ou d'autres copains dehors qui, en fait, qu'ils comptent marier, mais ils ne vont pas vous dire la vérité. Donc, c'est pour cela que je voudrais que nous prions aujourd'hui. Parce que ce temps, toutes ces années que tu es en train de perdre, le temps ne peut plus se rattraper. Dans la réalité, le temps ne peut pas se rattraper. Mais nous allons prier aussi. Ces années que tu as perdues, Dieu est capable, bien-aimé. Alléluia. Dieu est capable de racheter ce temps-là. Dieu est capable de restaurer ces années que tu as perdues. Mais nous allons d'abord prier. Alléluia. Alléluia. Tu vas te joindre à moi maintenant. Nous allons commencer à prier. Tu vas élever ta voix avec moi, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, et si tu es aussi dans un mariage où tu te rends compte que ton partenaire ou ta partenaire ne veut rien faire pour que ce mariage marche, si tu sais que tu es resté dans ce mariage alors que ce n'était pas la volonté de Dieu, nous allons prier que Dieu puisse changer la situation. Mais si aussi la situation ne peut pas changer, que Dieu enlève maintenant cette plaie de ta vie, afin que tu puisses te consacrer à la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Élève la voix avec moi maintenant et tu vas prier. Mon Dieu, mon roi,
Mon Dieu, mon roi, la première prière, c'est d'abord pour les célibataires. Élève la voix avec moi. Tu vas prier que Dieu te donne maintenant la grâce d'enlever les ravageurs, d'enlever les ravageurs de mariage. Oh, cet homme dans ta vie, cette femme dans ta vie, oh, qui n'est pas sérieux, qui ne veut pas te marier, mais qui te fait perdre le temps, qui te fait perdre les opportunités de mariage, qui te fait perdre, oh, ta destinée. Que la main de Dieu les enlève de ta vie. Que la main de Dieu les enlève de ta vie. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Nous élevons la voix ce soir. Nous élevons la voix, Seigneur, ce soir. Pour te demander, mon Dieu, mon roi, que si dans ce temps de prière, oh, une soeur est dans une situation où elle est avec un homme qui lui fait perdre son temps. Une soeur célibataire, oh, qui est dans une situation où l'homme, son copain lui fait perdre le temps. Oh, ou un frère. Où la femme lui fait perdre le temps, Seigneur. Et que les désarmés, enlève-le de leur vie. Enlève-le de leur vie, Seigneur. S'ils ne sont pas prêts pour le mariage, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur. Oh, mets maintenant un arrêt à cette relation. Arrête cette relation, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mets fin à cette relation. Mets fin à cette relation, Seigneur. Si ce partenaire ou cette partenaire n'est pas prête à faire du sérieux. Oh, à se marier, Seigneur. Enlève-le de leur vie. Enlève-le de leur vie. Mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. La deuxième catégorie, bien-aimée, c'est les couples qui sont mariés. Tu sais que tu es rentré dans un mariage où tu n'as plus la patience d'attendre le temps de Dieu. D'attendre le temps de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimée, moi, je me suis mariée très, très tard. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Ça fait 10 ans que je suis mariée. Alléluia. Je me suis mariée à 38 ans. La pression de la famille était tellement sur moi, mais je suis restée dans la volonté de Dieu. Et si aujourd'hui, je veux parler à mes sœurs, c'est parce que j'ai traversé certaines montagnes, certaines vallées. J'ai traversé des moments durs. J'ai traversé la pression du temps. Où moi-même, je voulais forcer les choses. Alléluia. Mais bien-aimé, c'est quelque chose que je ne te conseille pas. Si tu es dans une situation comme ça, où tu regardes ton âge, tu te dis que, waouh, je suis en train de prendre de l'âge. Bien-aimé, le temps de Dieu est le meilleur temps. Ma sœur, le temps de Dieu, ma sœur célibataire, le temps de Dieu est le meilleur temps. Attends le temps de Dieu, ne force pas le mariage. Ne force pas le mariage. Parce que je vais te dire, ma sœur, et même pour mon frère célibataire, si tu fais le mauvais choix du compagnon de vie, tu fais le mauvais choix du compagnon de vie, ça peut détruire ta vie. Ça peut mettre ta vie en retard. Alléluia. Et donc, il est préférable d'attendre le temps de Dieu qui t'amène la personne que Dieu a créée pour toi. Si tu es une sœur célibataire, qu'il amène cet homme dont il t'a tiré de ses côtes. Si tu es un frère célibataire, qu'il amène cette femme qu'il a tirée de tes côtes. Alléluia. Alléluia. Et je prie que Dieu puisse te donner cette force. Que Dieu puisse te donner la force d'attendre. Que Dieu puisse te donner la force de patienter. Que Dieu puisse te donner la force de fixer tes yeux à lui. De ne pas chercher à forcer le mariage. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, ma sœur, tu es dans un mariage que tu as forcé. Mon frère, tu es dans un mariage que tu as forcé et tu te rends compte aujourd'hui que ça ne marche pas. Dieu peut changer la situation. Nous allons prier maintenant. Que le pouvoir de Dieu amène, change le cœur de ton partenaire, qu'il puisse ou bien qu'elle puisse s'aligner à la volonté de Dieu. Si ta fondation de ton mariage n'était pas basée sur Dieu, prie maintenant, repens-toi maintenant cet après-midi, que Dieu puisse me montrer sa miséricorde. Oh, qu'il puisse te donner sa miséricorde. Demande pardon au Seigneur ce soir. Demande pardon à Dieu de l'avoir désobéi. Demande à Dieu de pardon de ne pas l'avoir attendu. Et maintenant, élève la voix. Que le Seigneur te montre sa miséricorde. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde. Mon Dieu, mon Seigneur, j'élève la voix, oh mon Dieu, mon Seigneur, pour tes femmes célibataires, tes femmes mariées, tes frères mariés qui sont dans une relation qui n'était pas de Dieu, dans un mariage qui n'était pas de Dieu, un mariage qu'ils ont forcé parce qu'ils ne pouvaient plus attendre. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, mon Dieu, mon roi.
Oh mon Dieu, mon Seigneur, change la situation. Change la situation de leur mariage. Amène leur partenaire. Amène le mari qui ne veut pas s'aligner. Oh, à s'aligner à toi, Seigneur. Amène la femme qui ne veut pas s'aligner, Seigneur. Qu'elle s'aligne à ta volonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous élevons nos voix devant toi. Oh, nous nous implorons devant toi, Seigneur. Nous nous implorons devant ton trône, Seigneur. Oh, pour demander ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde pour ce couple. Ta miséricorde, Seigneur, pour ce couple marié. Au nom puissant de Jésus. Rien ne t'est impossible, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vais prier pour la troisième catégorie. Cette catégorie qui est mariée. Et tu te rends compte que ta vie n'est plus stable ou même ta vie est en danger dans ce mariage. Tu te rends compte que, alléluia, parce que bien aimé, Dieu a créé la femme pour être un aide à son mari. Et tu te retrouves dans un mariage où tu es avec une femme qui voit les choses totalement différentes de toi. Tu cherches à bâtir un avenir futur pour vous, pour vos enfants. Et cette femme ne fait que détruire tout ce que tu cherches à bâtir. Et je mets aussi cela dans le cadre aussi d'une femme qui vit, mariée, qui vit une situation comme ça aussi, où tu cherches à bâtir, mais le mari avec lequel tu es ne veut pas s'aligner. Le mari avec lequel tu es t'amène même des maladies sexuellement transmissibles. Oh, détruis tout ce que vous êtes en train de construire ensemble. Et tu te rends compte que ta vie est en train d'aller maintenant en lambeaux. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Si ce partenaire, ce mari ou cette femme ne veut pas s'aligner avec la volonté de Dieu, ne veut pas s'aligner avec la parole de Dieu, que Dieu maintenant les enlève de ta vie. Que Dieu les enlève de ta vie, parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de miséricorde. Tu ne peux pas passer ta vie, oh, alléluia, à te sentir en danger dans une relation à cause du mariage, alléluia. Et ici, je parle aussi des femmes qui sont dans des foyers, alléluia, de violence conjugale. Et quand je parle de violence conjugale, bien-aimés, en général, les gens pensent que la violence conjugale, c'est seulement physique, mais il y a la violence verbale, la violence psychologique, la violence financière, alléluia. Élève ta voix avec moi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, alléluia. Nous invoquons maintenant ton pouvoir. Nous invoquons maintenant ton pouvoir, Seigneur. Descends ton pouvoir dans ce couple, Seigneur. Si ce mari, Seigneur, oh, qui est dans la violence conjugale, ou cette femme qui pratique la violence conjugale dans ce foyer, oh, n'est pas prêt à changer, Seigneur. Enlève-les, Seigneur. Enlève-les, Seigneur, de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Enlève-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, amène maintenant le renouveau dans la vie de cette femme. Enlève le renouveau dans la vie de cette femme. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous élevons maintenant nos voix vers toi, Seigneur. Nous élevons maintenant nos voix, Seigneur, au Seigneur, vers toi. Oh, aie pitié, Seigneur. Protège cette femme qui est en danger dans son foyer. Protège cet homme qui est en danger dans son foyer. Et éloigne-les, Seigneur. Éloigne-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. De leur gourou. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Éternel des armées. Alléluia. Rebasakata, ikarabasata rabasete, sharabasete rebasata. Hallelujah, 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 hallelujah. Bien-aimés, je vais t'apporter des paroles de réconfort. Il n'est pas trop tard pour toi. Même si tu as 40 ans, tu n'es pas marié. Tu as 50 ans, tu n'es pas marié. Tu as 70 ans, tu n'as jamais été marié. Tu n'as pas fait d'enfant. Je suis venu te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi, alléluia. Parce que Dieu effacera la mémoire d'Amalek dans ta vie. Alléluia. Ici, je vais lire d'abord la parole de Dieu dans le livre d'Exode 17, verset 14. Amalek ici, le nom d'Amalek signifie celui qui demeure dans une vallée. Et peut-être que tu regardes ta vie de célibataire et tu as l'impression que tu es dans la vallée de la solitude,
la vallée du célibat, la vallée de celle qui n'a pas encore fait d'enfant, la vallée peut-être de celle qui a divorcé, la vallée de celle qui est dans un mariage qui ne marche pas, la vallée qui est dans un mariage de violence conjugale, alléluia, la vallée d'une veuve, alléluia. Je suis venu te dire, bien-aimé, que Dieu effacera la mémoire de la vallée de ta fille, alléluia, et qui te fera, alléluia, alléluia. Ouh, qui te fera rentrer dans ton lieu de repos, qui est Refidim, ton lieu de repos. Dieu s'apprête, ma précieuse femme célibataire, homme célibataire, oh ma précieuse veuve ou veuf, oh ma précieuse divorcée, ma précieuse femme qui est mariée, mais le mariage ne va pas. Tu es marié, mon précieux homme de valeur, et ça ne va pas. Je suis venu te dire que cette vallée de l'Amalek, oh, cette vallée de la solitude, la vallée du célibat, la vallée, oh, du veuf, la vallée de la veuve, la vallée du divorcé, la vallée de la divorcée, la vallée du mariage qui n'a pas marché. Dieu s'apprête à t'enlever de cette vallée pour te faire rentrer dans son refidim, ton lieu de repos. Alléluia. Mais avant que nous prions pour cela, bien-aimés, nous servons un Dieu saint. Nous servons un Dieu saint, bien-aimés. Ma sœur célibataire, si tu es dans une relation où tu vis avec ce partenaire sans être marié, où tu as des rapports sexuels en dehors du mariage, je voudrais d'abord t'amener à un temps de réflexion. À un moment où tu vas demander à Dieu de te pardonner pour ce péché. Parce que bien-aimé, tu ne peux pas te moquer de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Mais il est aussi miséricordieux. Demande-lui pardon pour ton passé. Tu penses peut-être que ton passé est sale. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu te repens, il ouvre ses bras. Il t'ouvre ses bras ce matin. Il t'ouvre ses bras ce soir pour te dire, ma fille, mon fils, je te pardonne. Si seulement tu peux lui demander, sincèrement du fond du cœur, pardon Seigneur, dis avec moi si vraiment tu te repens. Dis ce soir avec moi, répète cette prière. Mon Dieu, mon roi, je viens à toi ce soir. Je me repens de mon passé qui ne t'a pas honoré, de mon passé de péché, de mon passé de sexe en dehors du mariage, de mon passé d'avortement, de mon passé, oh Seigneur, qui ne t'a pas honoré. Seigneur, pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Lave-moi avec ton sang. Renouvelle ma vie. Renouvelle ma vie. Change mon histoire. Change mon histoire maintenant, c'est Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je veux maintenant t'appartenir. Je veux t'appartenir maintenant. Je veux que tu sois mon roi. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois l'auteur maintenant de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah, bien-aimé. Alléluia. 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 Nous allons maintenant prier. En accord. Alléluia. Alléluia, alléluia. Avec le livre d'Exode, verset 17, Exode 17, verset 14. Tu vas élever la voix avec moi. Si tu es célibataire, tu vas dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie ce matin, je prie ce soir, que tu m'enlèves de moi, de ma vallée de célibat, que tu m'enlèves de ma vallée de veuve. Enlève-moi de ma vallée de divorcé. Enlève-moi de ma vallée, oh, du mariage qui ne marche pas. Et amène-moi maintenant, Seigneur, à mon lieu de repos. Amène-moi, Seigneur. Amène-moi, Seigneur, à mon lieu de refidim, mon lieu de repos, mon lieu de rire, mon lieu de joie, mon lieu où je serai célébré, mon lieu où d'ici l'année prochaine, à ce même moment l'année prochaine, oh, les gens viendront me dire félicitations à la nouvelle mariée. Félicitations, le nouveau marié. Félicitations, oh, celle qui était veuve, qui a été maintenant remariée. Celui qui était veuf, qui se remarie. Oh, ce mariage qui n'a pas marché.
Mais Dieu qui te donne maintenant un nouveau renouveau, un nouveau départ. Alléluia. Blessed be your holy name, O God. We thank you, Heavenly Father. Élève la voix avec moi maintenant, bien-aimé, pour dire merci à Seigneur. Oh, pour ton temps de repos. Oh, dis merci à Dieu de t'avoir enlevé dans ton vallée, de t'avoir enlevé de la vallée du célibat, oh, de la vallée du veuve, de la vallée de la veuve, de la vallée, oh, de la divorcée, de la vallée de celle dont le mariage n'a pas marché. Oh, et de t'avoir amené maintenant à ton lieu de repos. Oh, ton lieu de repos. Reçois maintenant ton lieu de repos. Reçois maintenant ton lieu de la nouvelle mariée. Reçois maintenant ton lieu du nouveau marié. Reçois maintenant ton lieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, reçois la parole de Dieu maintenant. Reçois la promesse de Dieu maintenant dans ta vie. Écris cette date quelque part. L'année prochaine, alléluia, l'année prochaine, tu reviendras avec un témoignage. En cette même période, tu seras marié. Oh, tu ne seras plus la copine de dehors. Tu ne seras plus la maîtresse de dehors. Oh, tu ne seras plus appelée la maîtresse. Tu ne seras plus appelée copine. Tu ne seras plus appelée veuve ou veuf. Mais tu seras maintenant célébré au nom puissant de Jésus. Que Dieu continue de te donner la paix. Reçois la paix de Dieu dans ta vie. Alléluia. Reçois maintenant le rire dans ta vie. Que le rire soit ton partage. Que le rire soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Alléluia. 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 J'espère vous revenir encore une fois de plus dans quelques jours ou dans quelques semaines avec un autre temps prophétique et de prière. Soyez bénis. Je vous aime. Mais Dieu t'aime encore plus. Rappelle-toi, ma précieuse célibataire, mon précieux célibataire, ma précieuse veuve, mon précieux veuf, oh, ma précieuse divorcée, mon précieux divorcé. Tu es un diadème. Tu es un diadème. Tu es la prunelle de Dieu. Ne laisse pas la société te donner une étiquette que Dieu ne t'a pas donnée. Le mariage, la réussite ou l'échec de ton mariage. Le célibat ne définit pas qui tu es. Cela ne te définit pas. Alléluia. C'est ce que Dieu dit sur toi qui est le plus important. Et Dieu dit que tu es précieuse. Dieu dit que tu es précieux. Dieu dit que tu es une sacerdoce royale. Dieu te dit, alléluia, qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime, alléluia. Sois béni, sois fortifié. Je t'aime très fort et à la prochaine fois. Bye bye.